اهلا بيكم. الفيديو رقم 7 في سلسلة شرح منهج كلوب ادو ان، الدرس الاول في الوحدة الثالثة. Unité 3 le club de lecteurs. نادي القراء. Dans cette unité, je vais décrire mon lycée, identifier les objets de la classe, demander et dire l'heure, parler de mon emploi du temps, utiliser les adjectifs possessifs pour parler de mes affaires. وبتعرف على بطلة الوحدة. Je m'appelle Léa et j'ai 15 ans et demi. Léa aime la lecture et la SVT. Elle n'aime pas le sport et l'anglais. Associe les étiquettes aux photos. Une bibliothèque. Des livres. Des BD. Cite trois titres aux personnages de BD. تعرف عناوين أو شخصيات لقصص مصورة؟ Par exemple, Obélix et Astérix. Et toi, tu aimes lire? الدوبل باج دو ديالوج في الوحدة التالتة اسمها Devant la grille du lycée. وقبل ما اسمع الديالوج, avant l'écoute, observe l'illustration et associe le mot au numéro sur le dessin. لاحظ الرسم ووصل الكلمات بالأرقام في الرسم. Un lycée, des fournitures scolaires, un livre, des élèves, un vélo, une grille. Une grille. 2. Des élèves. 3. Un lycée. 4. Des fournitures scolaires. 5. Un livre. 6. Un vélo. 2. Écoute et lis le dialogue. Hé, hey, salut Thomas, tu arrives tard aujourd'hui, ça va? Non, je n'aime pas le mardi. Ah bon? En plus, aujourd'hui j'ai un contrôle de maths. Moi j'adore ça, les maths. Et il est à quelle heure ton contrôle? À 10h. Moi aujourd'hui je n'ai pas anglais, le prof est absent. Je vais au CDI avec Julie et Shadinzi. Avec Julie et qui? Oh non, mes affaires. Attends, je t'aide. Tiens, tes livres, ta trousse. Merci. C'est quoi ça? Quoi? Regarde, il y a une photo. C'est la photo de qui? C'est la photo de ma famille. Il est 8h. Salut, à plus. Attends, ta photo. À midi et quart au self, d'accord? D'accord. Activité 3. Trouve dans le dialogue un jour de la semaine et deux matières scolaires. تقدر من الديالوج اللي سمعته وشفته دلوقتي تقول يوم من أيام الأسبوع واسم مادتين من المواد الدراسية. Un jour de la semaine. Mardi. Deux matières scolaires. Maths et anglais. Activité 4. Vrai ou faux. Justifie ta réponse. التمرين ده هيختبر فهمي للحوار وبالتحديد لذكر الساعة والمواعيد. Il est 8h. Thomas a un contrôle de maths? Faux. Il a un contrôle de maths à 10h. Il est 10h. Thomas et Julie mangent eux-selfs? Faux. Ils mangent eux-selfs à midi et quart. Il est midi et quart. Thomas va en classe? Faux. Il va en classe à 8h. Activité 5. C'est qui? Léa, Thomas ou Julie? Répondent aux questions. تمرين تاني لو فهمت الديالوج كويس هعرف أقول مين الشخصية اللي بيسأل عنها في كل سؤال. Qui n'aime pas le mardi? Qui a un contrôle de maths?
Qui aime les maths? Qui est l'ami de Chadenzi? Qui va au CDI? Pourquoi? Qui fait tomber son sac? Qui a une photo de sa famille? دلوقتي نبدأ في الدرس الأول لسون 1 décrire mon lycée et identifier les objets de la classe. 1. Écoute les bruits et trouve le lieu. بعد الأصوات اللي سمعناها دي تعالوا مع بعض نخمن معنى أجزاء المدرسة الموجودة في الملصقات لو جيمناز صالة الألعاب الرياضية لو تيران دو سبور ملعب الرياضة لا كور دو ريكرياسيون ساحة الاستراحة لو سيلف سيرفيس لو سيلف معناها الخدمة الذاتية والمقصود بيها صالة الطعام Le CDI, le Centre de Documentation et d'Information, مركز التوثيق والمعلومات. إليا في درس النهاردة بتعلم تعبير إليا يعني يوجد إزاي بنستخدمه وإزاي بنسأل بيه. Qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée? Qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée? Il y a deux terrains de sport et un CDI. في الجدول الأحمر شايفين السؤال اللي معناه ماذا يوجد؟ Qu'est-ce qu'il y a؟ وعشان أجاوب على السؤال ده بنستخدم il y a وبعدها determinant يعني محدد والمحدد ده ممكن يكون أداة نكرة أو رقم مثلا Il y a un gymnase Il y a une cour de récré Il y a deux salles de classe Il y a trois terrains de sport Observe les photos de l'exercice 1 et continue la phrase. هنلاحظ صورة التمرين الأول ونكمل الجملة دي. Dans le lycée de Léa, il y a des salles de classe, il y a une cour de récréation, il y a un terrain de sport, il y a un gymnase, il y a un self-service, Il y a un CDI. Activité 2. Qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée idéal? A2. Décrivez votre lycée idéal. بيسألني ماذا يوجد في مدرستك النموذجية. Exemple. Dans mon lycée, il n'y a pas de gymnase, mais il y a deux terrains de sport. وفي المثال ده بنشوف صيغة النفي لتعبير إليا إل نيا با لا يوجد زي ما شايفين بين طرفي النفي اللي درستهم الدرس اللي فات ضمير إي وفعل آ نيا با وطبعا نو اتحولت لإن أبوسخوف منع الالتقاء متحركين إل نيا با وأي محدد استخدمته بحوله مع النفي إلى دو أو دي أبوسخوف طبعا لو كانت الكلمة اللي بعده بادية بحرف متحرك Il n'y a pas de gymnase. فلو أنا سألتك مثلا Il y a une gomme dans la trousse? وانت عايز تجاوب بالنفي على السؤال ده هتقول Non, il n'y a pas de gomme dans la trousse.
نرجع لسؤالنا. يا ريت توقف الفيديو وتجهز جملة باستخدام الكلمات اللي اتعلمتها النهاردة. أنا ممكن أقول مثلا Dans mon lycée idéal, il n'y a pas de gymnase, mais il y a deux terrains de sport, il y a une bibliothèque avec des BD, il n'y a pas de self, mais il y a un restaurant. Activité 3. Salut, voici ma salle de classe. Nous sommes avec Madame Arithmétique, la prof de maths. دلوقتي هنسمع ليا وهي بتوصف اللي موجود في فصلها وهنوضح اللي بتوصفه على الرسم. Écoute Léa et montre les objets qu'elle décrit sur l'illustration. Salut, c'est Léa. Aujourd'hui, j'ai un contrôle de maths. J'adore ma prof. Et voici ma salle de classe. Il y a un tableau, des tables et des chaises, le bureau de Madame Arithmétique et une horloge. Les objets de la classe. Le tableau, le TNI, la corbeille à papier, la table, l'ordinateur, la chaise, le bureau, le globe terrestre, la carte de France, le dictionnaire, l'horloge, le squelette, le tableau, le TNI, la corbeille à papier, la table, l'ordinateur, la chaise, le bureau, le globe terrestre, la carte de France, le dictionnaire, l'horloge, le squelette. Combien de? دلوقتي بنتعلم كلمة استفهام جديدة للسؤال عن العدد. Combien de? واللي ممكن أشوفها combien de apostrophe زي ما تعودنا قبل كلمة بتبتدي بحرف متحرك أو أشمرين. Combien d'heures de cours tu as le mardi? 4 heures seulement. Combien de plus non. والاسم اللي بيكون بعد combien de بيكون جمع. Tu as combien de profs? Combien d'élèves il y a dans ta classe? Complète avec combien de ou combien de apostrophe. A. Combien de stylos il y a dans ta trousse? B. Tu as combien d'amis? C. Il y a combien d'élèves dans ta classe? D. Léa a combien de professeurs? Activité 4. Pose des questions à ton camarade. A. Tu as combien de professeurs? B. Combien d'élèves dans sa classe? C. Combien de salles de classe il y a dans son lycée? Cahier d'exercice. Exercice 1. Cochez la bonne réponse. لو فهمت المشهد اللي دار في الدوبل باش دي ديالوج هتعرف تجاوب معانا على الأسئلة دي. Numéro 1. Qui est Léa? Une copine de Thomas? Une camarade de classe? Une professeure de Thomas? Numéro 2. Quand se passe la scène? Pendant la récré? Avant le premier cours? À l'heure du repas? Numéro 3. Qui parle de Julie et Chadenzi? Thomas, Léa, Thomas et Léa. Numéro 4. Comment est Léa? Elle est discrète, elle est gentille, elle est timide. Exercice 2. Remets le mot dans le bon ordre pour faire des phrases. A.
Je n'aime pas le mardi. B. Moi, j'adore les maths. C. Le prof est absent. D. Je vais au CDI avec Judy et Chadenzi. E. Il est 8 heures. F. Il y a une photo. Exercice 3. Lis à nouveau le dialogue de la page 41 du livre et retrouve les mots. تعالوا نقرأ تاني الديالوج عشان نقدر نكمل كلمات التمرين ده. Hey, salut Thomas, tu arrives tard aujourd'hui, ça va? Non, je n'aime pas le mardi. Ah bon? En plus, aujourd'hui j'ai un contrôle de maths. Moi j'adore ça, les maths. Et il est à quelle heure ton contrôle? À 10 heures. Moi aujourd'hui je n'ai pas anglais, le prof est absent. Je vais au CDI avec Julie et Chadinzi. Avec Julie et qui? Oh non, mes affaires. Attends, je t'aide. Tiens, tes livres, ta trousse. Merci. C'est quoi ça? Quoi? Regarde, il y a une photo. C'est la photo de qui? C'est la photo de ma famille. Il est 8 heures. Salut, à plus. Attends, ta photo. À midi et quart au self, d'accord? D'accord. A. Math. B. Mardi. C. Prof. D. Merci. E. Tard. F. Attends. G. 10. H. Self. Exercice 1. Retrouve les mots de la liste dans la grille. نبدأ مع بعض بالأفقي. Self. Gymnase. Classe. Terrain. CDI. Récré. Lycée. Exercice 2. Qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée? Réponds. Exemple. CDI 1. Dans mon lycée, il y a un CDI. B. Dans mon lycée, il y a un self. C. Dans mon lycée, il y a 11 classes. D. Dans mon lycée, il y a 2 terrains de sport. E. Dans mon lycée, il y a 3 cours de récréation. F. Dans mon lycée, il y a 4 gymnases. Écoute et complète les phrases. A. Dans ma classe, il y a une horloge et un ordinateur. B. Tu as combien de dictionnaires? J'en ai 2. C. Je déteste les squelettes. D. Tu viens au CDI? Oui. Thank you.
Exercice 5. Complète avec combien de ou combien de apostrophes? A. Il y a combien d'élèves dans ta classe? B. Combien de tables il y a dans ta classe? C. Tu as combien d'amis dans ta classe? D. Il y a combien d'ordinateurs dans ton lycée? E. Léa a combien de stylos rouges? F. Il y a combien de fenêtres dans ta classe? G. Combien d'ordinateurs il y a dans ton CDI? وبكده يكون انتهى الدرس الأول والصفحات الافتتاحية للوحدة الثالثة. استنونا في الفيديو الجديد مع الدرس الثاني. Au revoir.